Voici ça qui est là. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. Un peu de respect pour ma personne. Moi, c'est Aya la grosse. OK? Excusez-moi, je dois appeler quelqu'un. Allô? Allô? Qui est malade? Non, je ne vais pas à l'hôpital. Je suis désolée. Excusez-moi, on vient de m'appeler pour dire que quelqu'un est malade, d'emmener la personne à l'hôpital. Moi, Aya, je ne peux pas emmener quelqu'un à l'hôpital. Jamais je vais accompagner quelqu'un à l'hôpital. Parce que la première fois que j'ai accompagné quelqu'un à l'hôpital, on m'a soigné d'abord, avant de la soigner. Non, mais franchement, je ne mens pas. Alors, je m'appelle Aya. La go qui rend tous les mecs bobos. Qui fait tourner les têtes à gogo. 15 fois présenté à Miss Arulaba. En Côte d'Ivoire ici. 15 fois rejeté. Accompagné de motion, s'il vous plaît. Accompagné de motion, va prendre vitamine et reviens. Alors, moi c'est Aya pour les autres et Aya la grosse pour les intimes. Voilà. Vous savez, j'ai une famille adorable. C'est-à-dire ma famille m'aime tellement que je suis la seule personne, quand je suis à la maison, on n'ose pas allumer le ventilateur. De peur que le vent m'emporte, quoi. Non, mais... c'est par amour, hein. C'est par amour. Et puis, j'entends dire que pour avoir un corps de mannequin, une forme bien fine, il faut suivre régime. Moi, Aya, je vous dis, pour avoir une forme de mannequin recherchée partout dans l'univers comme la mienne, à bas les jaloux. Comme la mienne, il vous faut goumer. Je sais de quoi je parle. On va faire comme nos publicités des blancs là. Salut, je me présente, je m'appelle Aya. Avant, je faisais 355 kilos. Grâce à goumer, aujourd'hui, je fais 15 kilos. C'est tellement efficace. C'est le seul régime où tu n'es pas obligé de suivre. Parce que c'est lui-même qui va te poursuivre. Mais la personne qui m'a donné goumet là, il est ici. Je vais taire son nom. Non, moi je suis une fille, j'aime pas humilier les gens. Donc je vais taire son nom pour ne pas que Kouaïba ici présent qui est assis là, juste là. Sache que c'est de lui que je parle. Non, franchement, quelqu'un que j'ai tant aimé, un jour je l'appelle, il est en train de pleurer au téléphone. Il dit, mais il y a quel problème? Tu as perdu quelqu'un? Il dit, oui, je viens de perdre mon amour pour toi. Bon, je dis, ok, j'ai fait quoi, puis tu as perdu l'amour que tu as pour moi là. Eh, il dit, ah, il y a le problème. C'est-à-dire, ça fait des années, je suis en train de chercher. Ah, ya. Est-ce que tu as besoin d'amour ou de nourriture? Je ne sais pas. C'est ce qui me fatigue au fait. C'est pour ça que je veux te laisser. Mais il a dit, moi, garçon, gagne pas d'Abidjan là. Moi, j'ai eu pour moi. Je ne peux pas te laisser. Je suis au Koyi. Tu ne vas pas me laisser puis quelqu'un va me prendre ici. Si tu as laissé ça là, qui va prendre Abidjan ici? Qui va prendre? Non, mais franchement, je ne laisse pas tomber. Donc je ne laisse pas tomber là. Je reviens de mes balades. Je vois qu'il est en train de me tromper avec une grosse fille comme ça. Hein? Elle aussi, je ne vais pas dire son nom. Sinon, elle s'appelle Dossi Yao. Bon, il est en train de me tromper. Moi, je viens, je l'attrape. Kouaïba me dit, Aya, faut pas parler.
Mes parents m'ont dit de chercher une femme qui sera la chair de ma chair et l'os de mes os. Toi, tu es l'os de mes os. Elle, c'est la chair de ma chair. Vous deux, vous formez une chair pour moi. En tout cas, quand il a fait ça, vraiment, ça m'a fait mal. J'ai décidé vraiment de quitter dans cette relation. Et j'ai appris que le gourmet, au fait, c'est une bonne chose. Parce qu'après ça, je vous assure qu'en tant que baoulé, j'aligne le bloc fouet sur le Facebook. Non. Et puis, ce qui est encore avantageux, quand je veux payer à billes, je ne force pas. Vous voyez la partie où on dit « Yougou, yougou, bébé, pour les bébés, pour les bébés. » Il y a ma pointue dedans. Non, je ne force plus. D'ailleurs, je veux rentrer dans l'armée, vous qui êtes ici, je veux rentrer dans l'armée parce que je sais que si on va en guerre comme ça, je peux me cacher derrière ma calache. Voilà. Tout ça, ce sont les avantages du gourmet. Et puis ça, ce n'est rien. Parce que moi, Aya, dans ma vie, j'ai vécu pire que ça. Hein. À l'école, mon lycée, c'est juste là. Vous savez ce qu'on faisait de moi? On me prenait pour faire exemple de squelette en SVT. C'est là que tu entends le professeur dire, Aya, viens, les élèves, vous suivez. Ça, quand il y a de la chair dessus, on appelle ça fesse. Mais à l'état actuel, on appelle ça ichion. C'est-à-dire l'os du fessier. À enfant de quelqu'un. Non, mais on a qu'à se dire la vérité. La vérité est bonne. Elle est bonne, ok? On va se dire la vérité. C'est quoi une femme a que moi, Aya, je n'ai pas? Non, regardez-moi droit dans les yeux. Parce que si c'est poitrine là, hein? Si c'est le postérieur, Aya! C'est versé. Il a laissé échantillon à la maison. Voilà. Maintenant, bon, je ne veux pas que la belle dame perde son mari. C'est pour ça que j'aime pas trop me promener avec tous mes fesses. Je crois que je vais partir. Vous êtes assez moqueux de moi. C'est Aya, je passais par là.